Alors, on enchaîne avec une autre pionnière, un hommage fleuve, une pionnière de la saga des musiques francophones, Abeti Masekeni. Oui, Abeti Masekeni, qui est l'une des premières femmes africaines à avoir fait l'Olympia. Et puis, elle a d'ailleurs fait d'autres salles mythiques comme le Carnegie Hall. Alors, Abeti Masekeni, c'était une bête de scène. Et d'ailleurs, on l'a surnommée la tigresse aux griffes d'or. 20 ans après sa mort, deux Congolais, Laura Kutika et Nekunda, lui ont rendu hommage à travers un documentaire passionnant qui s'intitule « Abeti Masekeni, le combat d'une femme ». C'est à Kisangani, dans le Haut-Zaïre, province d'ethnie Swahili, que vient au monde Abeti Masekeni, de son vrai nom Elisabeth Finan, d'une famille de 8 enfants. Ce film est né d'une passion que j'ai toujours eue pour l'artiste Abeti Masekeni. C'était une femme qui défendait la place de la femme dans la société. C'est vrai que c'était une femme qui n'était pas très comprise. C'est une femme qui était très en avance. Et elle, elle se détachait parce qu'elle avait un timbre de voix très particulier. Passi, passi, mote madangaye, passi, passi. Passi, passi, mote madangaye. Il y a peu de gens qui la connaissent aujourd'hui, mais c'est une de nos plus grandes chanteuses en Afrique. Sa position de femme africaine, chanteuse, était une situation innovante à l'époque, parce qu'il y en avait peu. Il y avait Myriam Makeba et puis ensuite, il y avait donc Abeti. Les hommes ne supportaient pas de voir une femme qui arrive au lieu de prendre la seconde place. Mais elle, elle est arrivée et elle s'est imposée. Elle était chef d'orchestre. Elle ne se contentait pas de reproduire la musique de chez elle en l'état. Elle était ouverte déjà sur la sono mondiale. Il faut la reconnaître comme l'une des pionnières de la world music dont on parle aujourd'hui. Pendant que nous, on s'est limité seulement à faire ce que la musique congolaise nous recommandait de faire. Mais elle, elle était déjà de l'autre côté. Elle a réussi à faire deux fois l'Olympia. À 73 et à 75. Et à 86, elle a fait le Zénith. Elle était connue. Les concerts auxquels prennent part plusieurs artistes comme Bernard Lavillier, Manu Dibango, Georges Seba, Pépé Calais. Après sa mort, Abeti n'existait plus. On n'a plus parlé d'Abeti. Abeti, avant de mourir, m'a dit « Bébé Matoko, j'aimerais bien que tu écrives mon histoire. » Son histoire, Bertrand Guyenne Matoko, le président de son fan club et attaché de presse, va l'écrire en 1999 « Abeti, la voix d'or du Zaïre. » Paix à son âme. Alors cette année, ce sera l'année Abeti Masekeni en République démocratique du Congo. Alors Ken Bougou, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez, vous aussi, dansé sur les titres d'Abeti Masekeni? Oui, parce que c'est plutôt plus ou moins de ma génération, donc on a énormément dansé sur la rumba congolaise en général, mais particulièrement sur sa musique, parce qu'il y avait sa musique, mais il y avait le personnage, une femme africaine, libre, osée. Comme vous, hein, une femme libre. Voilà, ça, je crois vraiment, elle m'a plus ou moins influencée et inspirée. Ensuite, je l'ai rencontrée au Togo, parce que je crois qu'elle avait été mariée à un Togolais. Gérard Akwesson. Michel Akwesson. On pense qu'après sa mort, elle a été un peu oubliée, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'en dehors de la chanson, elle a laissé une mode, la jupe Abeti. La jupe Abeti. Qu'on porte toujours. Oui. Qui ne laisse pas indifférente, à mon avis, Princesse Erika, les années 80-90. C'était une période faste pour les artistes qui arrivaient sur le marché, de ce qu'on a appelé la world music. La world music, comme disait très très justement aussi Ndongo, la sono mondiale. Parce que nous, on est arrivés sur Radio Nova, en fait, hein, c'était ça. Et là, il y avait toutes les musiques noires.
Et c'est une invention francophone, parce que la sono mondiale, les plus grandes stars mondiales africaines, c'était Mori Kanté, Salif Keita, Youssou N'Dour, toutes francophones, pratiquement, à exception faite de Myriam Akeba et quelques autres. Voilà, issues de l'Afrique. C'est ça qui était intéressant. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'aujourd'hui, on recherche... Tu vois, on recherche nos artistes qui nous ont marqués. Et alors que peut-être à l'époque où ils étaient présents, on n'était peut-être pas aussi fervents. Ce qui fait que, bon, aujourd'hui, on est un peu nostalgique. Mais je pense que c'est bien, mais je pense qu'il faut quand même rendre hommage aux artistes pendant qu'ils sont encore en vie, c'est mieux. Voilà.